Mais pour vous dire que le film, en fait, il a été présenté à Berlin et il a eu un accueil désastreux à Berlin. Les Allemands n'ont pas du tout aimé le film et ont été très, très virulents et c'était assez violent, en fait, la présentation. Sur quel point? Pardon? Sur quel point? Je pense que c'était violent sur le point de le fait que ce soit le film soit fait en anglais. Et que ce soit fait par des étrangers et qu'on soit à Berlin pour le montrer au Festival de Berlin. Ça, c'est, on s'est mis dans la gueule du loup, comme on dit. Je précise que Primo Levi considérava il libro di Falada come un'opera fondamentale. Primo Levi. Il film sì, è stato presentato a Berlino inizialmente, devo dire la verità, l'accoglienza è stata disastrosa, potrei dire addirittura violenta effettivamente, violenta dal punto di vista della reazione perché non è stato evidentemente apprezzato il fatto che si trattasse di un film in inglese, fatto da stranieri, presentato a Berlino, evidentemente ci siamo messi nella bocca del lupo. Et je pense que c'était un des moments les plus difficiles de ma carrière, où j'ai vraiment, vraiment, vraiment souffert. Credo che sia stato davvero uno dei momenti più difficili della mia carriera in cui ho realmente sofferto, ho patito. Après, on a montré le film à dans un festival à Atlanta, un énorme festival où il y avait 5000 personnes dans la salle, c'était assez impressionnant. Ouais, j'ai pas compris à quel endroit. Au festival juif d'Atlanta. Aux États-Unis. Et alors j'étais très nerveux suite à l'événement ou à ce qui s'est passé à Berlin. Le film a été vendu dans le monde entier, donc il est sorti dans beaucoup de pays, un peu partout dans le monde, mais ma première étape était à Atlanta. Donc on va à Atlanta, je montre le film, on fait une discussion comme celle-ci, j'arrive donc après le film et très nerveux, bien évidemment. La salle était pleine à craquer. Les applaudissements me semblaient plutôt positifs, même assez positifs. Mais j'étais quand même très nerveux. Et là, le public pose une question. Il y a quelqu'un qui se lève dans la salle. Elle commence en me disant « Monsieur Pérez ». Et là, il y a un silence. J'étais très inquiet parce que je me suis dit que ça allait mal se passer. Et elle me dit, Monsieur Pérez, comment est-ce qu'on peut faire pour que le monde entier voit ce film? Parce que je pense que ce film doit être vu par le monde entier. Et là, tout le public a applaudi. Et ça m'a soigné un peu, je dirais, de mon expérience berlinoise. Sì, dopo la prima presentazione a Berlino abbiamo fatto una tappa ad Atlanta, al Festival del Cinema Ebreo, ed era una sala molto gremita, c'erano più di 5.000 persone a quell'evento in generale, quindi anche la sala stessa era molto popolata. Ero particolarmente nervoso, ovviamente scottato dall'esperienza che avevo avuto alla Berlinale. Era comunque un film che aveva venduto in tutto quanto il mondo e quindi si trattava appunto di questa prima tappa ad Atlanta. Ho deciso quindi di aspettare la fine del film per entrare. Il suono, diciamo, la reazione del pubblico mi sembrava positiva, quindi mi sono un attimino tranquillizzato. Poi quando sono entrato dentro c'è stata effettivamente una reazione positiva e si è arrivati poi al momento della conversazione con il pubblico, un po' come stiamo facendo qui oggi. A un certo punto una donna si alza in piedi e mi dice «Monsieur Pérez», momento di silenzio, questo mi dà grande agitazione, ripeto, ero ancora scottato, e poi continua con la domanda «Come possiamo fare affinché tutto il mondo intero e da questo bellissimo film, questo capolavoro». Lì è scoppiato l'applauso del pubblico e quindi è un po' come se mi fossi curato e ripreso dopo la scottatura berlinese.